il y avait des géants sur la surface de la Terre, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité. À Mpulusi, un village du Swaziland, en Afrique du Sud, des empreintes de pieds de près de 120 cm de long ont été mises en évidence, et qui dateraient de plusieurs millions d'années. Des empreintes semblables furent aussi mises à jour à Guizhou, dans la province sud-ouest de la Chine. Si l'on met les choses en perspective, ces empreintes appartiendraient à des individus de taille avoisinant les 10 mètres. Par ailleurs, un fossile de doigt de 38 cm de diamètre a été découvert en Égypte. Et les scientifiques ont déclaré qu'il correspondait à un individu d'au moins 5 mètres de haut. Des gravures réalisées par des hommes des cavernes préhistoriques représentent également des géants. Et sur tous les continents, chez tous les peuples, il y a toujours des histoires relatives aux géants. Certains diront, mais pourquoi les médias officiels ne parlent pas de ces choses? Ils n'en parlent pas pour la simple raison que cela viendra confirmer la Bible, et détruira certaines théories. Rappelez-vous qu'il est écrit dans la Bible que le monde entier gît sous la puissance du malin.